Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera un petit haul la boutique Loulou Perlou. Donc je vais sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai déjà préouvert, donc ce sera vraiment un tout petit haul hein, parce que vous voyez la taille du carton, c'est vraiment tout petit. Donc j'ai la facture, comme ça je vais pouvoir vous donner tous les prix de ce que j'ai pu acheter. Donc dans un premier temps j'ai acheté, donc c'est tout en lien avec tout ce qui est bijoux et cabochons. Donc je lui ai pris un décapsuleur, donc je pense que je vais en lui en reprendre. En fait ça fait un 3 en 1, ça fait coupe-ongle, décapsuleur et on a le petit miroir juste ici. Voilà, donc là on pose le cabochon ici. Donc ça fait un petit cadeau plutôt sympa. Donc voilà pour ça. Donc j'ai pris ça. Donc ça c'était au prix de 2,50 €. Donc voilà. Ensuite, je lui ai pris donc tout un lot. Donc c'est un lot de 10 pièces de stylos avec support de cabochon. Donc qui font 25 mm. Et j'ai pris donc les couleurs multicolores. Donc à l'intérieur, nous avons tous les crayons. Donc moi j'aime bien en faire de temps en temps en cadeau. J'hésite à me lancer pour créer ma boutique pour justement vendre tout ce qui est en lien avec les cabochons. Voilà, donc là j'ai pris 3 violets. Il y a 3 jaunes comme ceci. Donc là on met les cabochons. Et en fait, il suffit juste d'appuyer ici et on a la mine. Voilà. J'ai pris. Hop. Donc, il y a 2 turquoises. Et il y a 2 roses. Donc, voilà pour les crayons cabochon. Donc le lot des 10 pièces de crayons, en sachant que elle les vend en individuel sur sa boutique, et ça c'était au prix de 11,67 €, donc les 10. Voilà, ensuite j'ai pris de quoi faire donc des bijoux. Donc j'ai pris tout simplement des créoles, donc en acier inoxydable. Donc c'est des grandes boucles d'oreilles comme ceci en inox. Donc il y en a il y a 5 paires et en diamètre ça fait 30 mm. Voilà, donc c'est relativement très petit et en fait hop, ça se déclipse comme ceci, on met ça à notre oreille et voilà. Donc ça, j'ai pris ça en couleur. Donc là, j'ai pris couleur argent. Et j'ai pris également en couleur dorée. Donc les couleurs dorées étaient un petit peu plus chères, étaient à 4,17 €. Et celles-ci, celles qui sont en couleur argent, ils sont au prix de 2,50 €. Voilà, donc pourquoi j'ai pris tout simplement ceci? Tout simplement parce que je vais faire donc des bijoux, enfin des boucles d'oreilles précisément, avec ces perles-ci. Donc ça c'est les perles que j'ai achetées donc à Action. Voilà, donc je vais tout simplement faire des petites boucles d'oreilles avec les... Alors ça a un nom, je ne sais plus, les Aichi, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là j'ai pris ça, donc il y a des petites choses comme ça, mais sincèrement ça je pense que je vais pas du tout m'en servir. Je m'en servirai peut-être plus pour des bijoux d'album,
Là, on a des petits élastiques, mais c'est pareil, je m'en servirai peut-être pas. Peut-être éventuellement pour des bracelets. Donc là, j'ai pris celui-ci. Donc on a celui-là, celui-là. Et j'ai pris également celle-ci. Donc là, on a des petites boules dorées. Et donc on a différentes petites couleurs. Voilà, donc j'ai pris ceci. Et j'ai pris également ceci. Donc c'est des intercalaires Eishi. Voilà, c'est pour faire les boucles, justement, des petites créations en Eishi. Donc j'ai pris en couleur argent, comme ceci. Et j'ai pris en couleur doré. Donc ça, c'est ce que j'ai eu donc à centre-accord. Donc ça, c'est pour faire justement les petites boucles d'oreilles. Donc j'en ferai un tuto. Donc voilà pour ça. Et en cadeau, du coup, dans un petit pochon comme ceci, j'ai eu donc un autre petit stylo blanc comme ceci. Donc je vais le mettre avec cela également. Et on a à l'intérieur donc ça. Petite carte avec justement tous ses coordonnées, avec l'adresse également, et voilà de quoi y faire donc des petites créations. Voilà, si cette boutique vous intéresse. Donc bah moi je pense que je vais recommander certaines petites choses sur sa boutique, parce qu'elle fait énormément de choses, que ce soit pour les bijoux mais également pour les cabochons. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!